comment faire une bonne solution sur le lead scoring si tu ne peux pas monitorer la data autour de tes leads et donc, du coup, apposer un score. Comment travailler la lead attribution si tu ne peux pas déjà monitorer qui vient de où, qui fait quoi. Bienvenue dans les interviews Gross. Je m'appelle Jean-Bernard Ciboni. Je vais dénicher et interviewer pour vous des professionnels de l'univers du digital et du Gross. Je vais leur poser des questions sur leur vision, leur savoir-faire et les techniques qu'ils utilisent au quotidien pour leur croissance. Salut Camille, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Ben, écoute, est-ce que tu veux démarrer tout simplement par une petite présentation de toi ? Oui, alors je m'appelle Camille Coco, je suis consultante grosse stratégie B2B, c'est un peu long comme titre mais on va sûrement en reparler. Je travaille donc comme consultante depuis Nantes et pour la petite histoire, je ne travaille avec aucun Nantais depuis un an et demi, deux ans, donc ça c'est drôle, c'est juste l'endroit où je préfère vivre. Ok. Voilà. Et je suis aussi fondatrice grande ordonnatrice, je ne sais pas, enfin, le titre va changer, mais de la communauté Les Meufs du Gross. Comment tu as découvert le Gross ? Comment j'ai découvert le Gross ? Je n'ai pas eu un jour où je me suis dit, ouh, le Gross. Je suis quelqu'un qui consomme énormément de contenu, qui lit beaucoup, qui se renseigne beaucoup, qui se forme beaucoup. C'est même un travers, parce que du coup, ça me prend beaucoup de temps dans mes journées. Mais je pense qu'en fait, j'ai découvert la notion courant 2019. Parce que c'est fin 2019 où j'ai réalisé qu'il y avait une belle concordance entre mes qualités en tant que professionnelle, mes façons de travailler aussi, et ce qu'était le Gross, c'est-à-dire une discipline expérimentale, itérative, qui n'a pas d'avis subjectif, en fait, qui est très objectif, qui est très data-driven. Et ça, c'est tout moi, en fait. Ça me correspond beaucoup dans ma façon d'appréhender les problèmes. Et d'ailleurs, je suis ce qu'on appelle, il n'y a pas vraiment de nom en français, mais une problem solver. Et j'ai toujours fait ça dans tous mes jobs, depuis toujours. J'adore trouver des solutions à des problèmes. Donc, du coup, en fait, ça a été un peu une révélation fin 2019 pour moi de me dire, mais en fait, il y a le Gross d'un côté et il y a moi de l'autre. Et juste, le mariage paraît tellement naturel, il faut vraiment que j'en fasse mon activité principale. Est-ce qu'on peut dire que, du coup, tu aides les boîtes à mettre en place une stratégie basée sur le framework AR ? Ouais, alors disons que ce framework est pour moi un outil. C'est un des outils principaux que je vais utiliser pour analyser la croissance et surtout les problèmes. Par contre, ça ne va pas être un outil que je vais utiliser pour solutionner les problèmes. C'est pour moi plus un outil diagnostic. Et en effet, c'est un de mes outils principaux. C'est avec ça qu'en général, on commence un peu la discussion avec les entreprises. Donc, ça veut dire que tu découvres l'entreprise ? Tu poses un petit peu le tunnel art pour voir un petit peu ce qui est fait en acquisition, ce qui est fait en activation, ce qui est fait en rétention. Tu poses un petit peu l'état des lieux, c'est ça ? En fait, souvent, les clients viennent me voir avec une problématique. Alors souvent, ils viennent me voir aussi avec des circonstances, c'est-à-dire on va faire une levée de fonds. Enfin, voilà, il y a souvent une circonstance dans la vie de l'entreprise et une problématique de croissance. Et souvent, ils arrivent avec une solution. Et en général, c'est là que je leur dis « Non, moi, je ne veux pas votre solution. Je veux le problème, la circonstance. » Et ensuite, on va voir si c'est cette solution qu'il faut. Mais en fait, je ne pars avec zéro a priori sur quelle est la solution qu'on va avoir besoin, puisque moi, j'utilise beaucoup la comparaison avec le système de santé. C'est-à-dire qu'on a des symptômes, on ne se sent pas bien, on a des vertiges, je ne sais pas, on vomit, peu importe. On va voir un médecin. Et là, le médecin, il commencera par nous dire bah, la solution, c'est ça. Il commence par faire un diagnostic. Il va nous prendre le pouls, il va regarder notre gorge, etc. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il récolte de la data. Il récolte de la data et ensuite, il pose un diagnostic. Donc, il fait une hypothèse. Bon, et ça, en général, il ne vous le dit pas, mais en fait, il fait une hypothèse qui n'est pas forcément toujours la bonne. Hein. C'est-à-dire qu'il fait une hypothèse, il dit à 90%, je pense que tu as une grippe. Mais il y a toujours un petit pourcentage de possible erreur. Donc, il fait un diagnostic et à partir du diagnostic, il propose des solutions. Et si ça ne marche pas, eh ben, on recommence et on recommence une nouvelle expérimentation. Et c'est exactement pareil, en fait, mon travail. C'est-à-dire que moi, j'arrive, il y a un problème. Donc, on va récolter de la data sur le problème, mais aussi sur les autres
les étapes du funnel de l'entreprise. Et à partir de là, je vais dire, moi, j'ai la sensation que là, ici, il y a une fuite, il y a quelque chose à boucher, il y a quelque chose à tester pour améliorer globalement votre croissance et pour régler le problème initial. Et donc, on fait un test, on fait des expérimentations et si ça ne marche pas, on recommence. Et on itère, et on itère, et on itère. C'est vraiment le même processus, en fait. J'ai le sentiment qu'en France, en tout cas, on est éduqué pour payer un médecin qui va nous diagnostiquer. C'est quelque chose qui est dans les mœurs. Ouais. J'ai le sentiment, moi, que les entreprises n'ont pas cette facilité à payer un consultant simplement pour qu'il les consulte et qu'il leur donne leur avis sur ce qui ne va pas. J'ai le sentiment que les entreprises veulent absolument la solution. Est-ce que je me trompe ? C'est difficile d'avoir un avis global parce que je ne travaille pas avec toutes les entreprises de France, mais c'est sûr que de base, les entreprises viennent me voir avec une solution. Moi, je casse tout de suite ce mythe-là et j'explique et je leur dis, bon, écoutez, vous avez un avis sur comment on va régler le problème. Moi, par contre, ma façon d'intervenir dans les entreprises, c'est je commence totalement objective. Et je ne prends mon avis qu'auprès de la data. Donc, on va regarder la data et ensuite, on décidera. Et si ce présupposé n'est pas accepté par l'entreprise, bah, on ne va pas travailler ensemble. J'ai beaucoup de chance de pouvoir imposer ma façon de travailler parce qu'aujourd'hui, j'ai énormément de demandes de clients. J'en refuse beaucoup. C'est vraiment une chance de pouvoir dire, bah, écoutez, moi, c'est comme ça que je travaille. Si en fait, ça ne vous convient pas comme méthode de travail, il n'y a pas de problème. Mais du coup, on ne travaillera pas ensemble parce que pour moi, c'est comme ça qu'on travaille le mieux pour votre entreprise. Et aussi pour moi, en fait, parce que je n'ai pas envie d'échec et je sais très bien que si on n'a pas récolté la data en amont, on va tester des choses dans le vent et ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est vraiment un luxe. Tout le monde, malheureusement, ne peut pas se permettre ça, mais c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et bon, de dire que c'est toutes les entreprises, je ne sais pas. En tout cas, celles qui viennent me voir, c'est souvent le cas. Ouais. Donc, tu as beaucoup d'entreprises qui viennent te voir et où ça ne colle pas parce qu'elles n'ont pas cette culture de passer du temps d'abord à analyser. Est-ce que ça t'arrive souvent ou c'est rare ? Je peux comprendre parce que j'ai été moi-même chef d'entreprise et tu as l'impression de te comprendre en fait bah, parce que tu as le nez dedans tous les jours, d'être la personne la plus apte à prendre une décision. Là où en fait, les chefs d'entreprise et même les CMO, les CSO, tous les postes dirigeants, ont tellement le nez dedans qu'en fait, des fois, ils ont un peu de mal à voir la big picture. Et c'est en ça qu'un bon consultant, en fait, permet de prendre un peu de hauteur et de se dire, bah non, en fait, vu ma problématique, c'est pas forcément du nurturing qui va avoir les meilleurs résultats. Peut-être qu'en fait, le travail, c'est plus, je sais pas, du lead scoring ou améliorer la qualification des MQL, ou que sais-je, tu vois. Mais je pense sincèrement qu'il est difficile d'avoir un avis vraiment objectif quand on a le nez dans une activité. Trouver un bon consultant, il y a un peu de magie, il y a beaucoup d'humains en fait. Moi, je pense que je suis une bonne consultante, mais je pense que je ne suis pas une bonne consultante pour tout le monde parce qu'il y a vraiment une histoire de matching. C'est presque comme une relation amoureuse. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une super bonne relation, une super bonne entente entre moi et les parties dirigeantes et les équipes aussi. Il faut qu'il y ait une compréhension, tu vois, de la façon de fonctionner, de la culture d'entreprise, etc., parce que ben, c'est une relation hyper intime de rentrer dans les équipes, dans leur fonctionnement, de mettre les doigts un peu partout et ensuite de dire aux gens, bah, écoutez, je pense que le problème, il est là. Et donc, du coup, on va améliorer ce que vous faites aujourd'hui. Et il faut faire vraiment beaucoup confiance. Et ce n'est pas forcément facile. Et en revanche, là, je dis toujours aux entreprises de ne pas hésiter à consulter votre consultant et de trouver la personne avec qui il y a un meilleur fit, tu vois, d'un point de vue culturel et d'un point de vue façon de faire aussi. Quand je te parle, je vois bien quelqu'un qui aime bien défendre ses idées bec et ongles. Ça, je l'ai ressenti dès les premières secondes de notre première discussion. Comment tu fais en B2B déjà pour vendre avec cet état d'esprit ? Est-ce que ça te cause parfois souci, ce côté un peu, allez, je vais le dire, un peu dur ? Est-ce que ça ne te pose pas problème pour ton business ? Eh bien, pas du tout. Au contraire. C'est assez contre-intuitif. Faut savoir que donc moi, auparavant, j'étais chef d'entreprise d'une agence. J'avais monté une agence de communication institutionnelle. Je travaillais pour la Commission européenne. Donc, j'étais vraiment dans la communication ultra-corporate, ultra-lissée, etc. Et quand je me suis remise à mon compte en tant que consultante cette fois-ci,
Au départ, je lissais vachement ma personnalité, je lissais vachement ma façon de travailler, etc. Et en fait, ça ne m'a pas ramené de très bonnes expériences parce qu'en fait, dans le day-to-day, tu vois, au final, j'exprimais ma personnalité, j'exprimais ma façon de faire. Mais donc, du coup, il y avait un delta entre la proposition de valeur de départ et ce qu'allaient trouver les clients par la suite. Alors que finalement, je me suis dit, bon, tu sais quoi, on va vraiment apposer mon personal branding, être hyper clair sur la proposition de valeur de qu'est-ce que c'est de travailler avec Camille Coco. Et en fait, les gens viennent me chercher pour cette personnalité-là, pour cette façon de faire. Et il y a plein de consultants freelance qui vous disent « soyez vous-même dans votre personal branding ». Mais c'est vrai que tant que je ne l'avais pas vraiment fait, je me disais « mais ce n'est pas possible, ça va jamais marcher ». Et en fait, pas du tout. Et j'ai notamment une petite phrase dans mon profil LinkedIn, dans la description info, qui est tout à la fin, hein. C'est une petite phrase qui dit « Je vous préviens, si je travaille avec vous, ce n'est pas pour vous brosser dans le sens du poil, c'est pour aider votre entreprise et parfois, les recommandations que je vais faire, ça ne va pas être celle que vous attendiez. » Et c'est comme ça. Et en fait, la moitié des gens qui viennent me parler me parlent de cette phrase. C'est assez dingue. La moitié des gens me disent « Ah, j'ai lu cette phrase et franchement, j'ai trouvé ça génial. Moi, c'est ça que je veux. C'est quelqu'un qui n'est pas complaisant. C'est quelqu'un qui est là pour le business, qui n'est pas là pour me faire du bien. » Et en fait, du coup, au contraire, ça fait le tri d'être hyper moi-même et d'afficher tout de suite la couleur de comment je travaille et de ma personnalité aussi. Au final, ça fait le tri. Il n'y a que les gens qui adhèrent à cette façon de faire qui viennent me chercher. Et du coup, en fait, je n'ai que des leads hyper qualifiés qui viennent me voir et je fais plutôt beaucoup de déçus que le contraire. Donc, en fait, les consultants freelance qui disaient « soyez vous-même dans votre personal branding, ça vous sera bénéfique », ils avaient raison. Ils avaient totalement raison et je renforce encore plus. On peut dire que cette phrase, c'est un petit hack activation. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai, c'est mon petit hack activation, t'as raison. Ouais. Du coup, j'ai une deuxième question par rapport à ce trait de caractère, si on peut dire, qui n'est pas commun, surtout en B2B. Qu'est-ce qui se passe quand, en cours de mission, Camille, elle est vraiment pas d'accord? Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand je suis pas d'accord, c'est toujours hyper argumenté parce que je distingue toujours mon avis personnel de l'avis de la professionnelle. Et quand je suis pas d'accord, j'ai toujours de la data, j'ai toujours plein de choses qui argumentent le pourquoi du comment. Et donc, j'ai jamais eu de client qui m'a dit mortibus, eh ben non. Parce qu'en fait, c'est tellement argumenté qu'en fait, à chaque fois, ils sont toujours d'accord. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas eu des relations avec des clients qui se sont terminées, parce que j'en ai eu plein et au bout d'un moment, on ne travaille plus ensemble. Mais c'est pour d'autres raisons, pour des raisons que je trouve hyper saines. Par exemple, en fait, j'amène des clients à croître et à en fait se rendre compte qu'ils ont besoin de structurer une équipe grosse, par exemple, et d'embaucher en interne. Donc ça, pour moi, c'est une des meilleures raisons pour lesquels ne plus travailler avec moi, c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'une vraie équipe qui soit là à temps plein et moi, je ne peux pas faire du temps plein. Donc, ça, c'est une super raison. J'ai eu récemment un client qui m'a dit qu'il n'avait pas du tout en fait, d'équipe marketing et la fonction marketing était dispersée chez plein de gens. Et en fait, ils se sont enfin dit, après avoir travaillé avec moi, il faut vraiment qu'on ait une équipe marketing. Et du coup, on va structurer ça et on reprendra contact avec toi dans quelques mois quand on aura un peu avancé sur ce sujet-là. Donc, ça, c'est des super bonnes raisons. Et je suis même plutôt fière en fait, que mes clients me quittent pour ces raisons-là. Du coup, dans ta méthode de travail, on peut dire que la data, c'est ton carburant et que c'est essentiel pour toi dans ta mission. Comment tu fais pour collecter efficacement la data dans les entreprises? Toutes les entreprises ne sont pas structurées de la même manière. Est-ce que c'est parfois un problème à l'entrée quand tu commences à bosser ou avant de démarrer une mission? C'est toujours un problème. Il n'y a jamais eu un cas où ce n'était pas un problème. Parce qu'en fait, à chaque fois, quand je commence à mettre mon doigt un peu partout, je me rends compte que ce n'est pas structuré. La plupart du temps, les entreprises ont grandi sans trop se poser la question de la data. Et c'est vraiment un problème. Hein. Et c'est un sujet sur lequel, moi, j'insiste énormément. C'est que la data, si elle est collectée, et encore, la plupart du temps, elle n'est pas collectée. Si elle est collectée, elle est mal collectée. Elle n'est pas centralisée. Il y a un bout de data là, un bout de data là. Et en fait, on a des fiches clients qui sont complètement explosées. Et on n'a pas une connaissance client
consolidés, tu vois. Des fois, ils utilisent, bon, la plupart du temps, ils utilisent un CRM qui n'est pas assez puissant pour ce qu'ils sont en train de faire. L'équipe sales ne travaille pas sur le même CRM que l'équipe marketing. Et encore, tu vois, je ne te parle même pas de problématiques hyper profondes dans le sens collection sur une data warehouse, transmission sur un data lake. Enfin, je ne te parle même pas de trucs hyper complexes, mais juste même pour les fonctions opérationnelles de l'entreprise, la data est juste très mal collectée. Et en fait, souvent, c'est un problème parce que du coup, j'ai des problématiques de diagnostic, mais c'est aussi un problème parce que ça influe beaucoup sur la solution. En fait, comment faire une bonne solution sur le lead scoring si tu ne peux pas monitorer la data autour de tes leads et donc, du coup, apposer un score? Comment travailler la lead attribution si tu ne peux pas déjà monitorer qui vient de où, qui fait quoi? Pareil pour du nurturing, par exemple. Comment créer des boucles de nurturing si tu n'as pas le score du lead? Enfin, en fait, la plupart du temps, les solutions que je préconise, ben, en fait, font appel à de la data. Donc, c'est autant un problème sur le diagnostic que sur la mise en place de solutions. Et alors concrètement, ça veut dire quoi? Que quand tu démarres dans une mission, s'il n'y a pas assez de data, tu démarres par les aider à mettre en place un écosystème pour qu'ils puissent collecter de la data? Ouais, bah alors quand je vois que c'est un problème, alors bon, en général, je refais un petit point sur la proposition de valeur, les personas, tout ça, parce que la plupart du temps, c'est pas au point. Et ensuite, ben, une fois que j'ai fait le diagnostic, ben, il manquait beaucoup de data, qu'elle était parcellaire, explosée, je reparle au client et je leur dis, bon, ben, écoutez, en fait, on ne va pas pouvoir avancer sur la solution si on n'a pas amélioré la data. Ça va être pratique pour le gros, mais ça va être aussi pratique de manière générale dans les opérations de votre entreprise. Je vous propose qu'on passe un peu plus de temps sur la collection de la data. Et donc, ça veut dire que ben, chez plusieurs clients, j'ai mis en place plein d'automations, j'ai plugué des outils ensemble, j'ai fait en sorte que la data a été collectée sur un CRM, j'ai recréé des propriétés. Donc, j'ai pas mal travaillé cette collection et cette qualification de la data. Et du coup, je me dis, plus tu rentres dans le temps de ta mission, plus tu vois de choses, plus tu rencontres de problèmes, plus, a priori, ça te prend du temps et c'est des choses que tu ne peux pas savoir à l'avance. Comment tu gères ça? Comment tu prices et comment tu gères le fait que du coup, tu te retrouves face à un client où tu ne savais pas ce que tu allais découvrir? Comment tu gères ça? Eh bien, moi, j'ai opté pour une solution qui me convient bien. C'est qu'en fait, je ne vends pas de package, je vends du temps. Alors, ce n'est pas scalable. C'est complètement pas scalable. Mais en fait, pour bien faire les choses, je ne peux pas faire un package de départ. Ce n'est pas possible. Il faudrait que je passe énormément de temps pour diagnostiquer en amont, quoi. Donc, ce que je fais en général pour faire un bon taf, c'est que je dis à une entreprise, écoutez, vu la complexité de l'entreprise, etc., je pense qu'un jour par semaine, ça serait pas mal. Et en fait, on commence toujours sur à peu près 2 mois. Et je travaille un jour par semaine ou 2 jours par semaine ou 0,5 jours, ça dépend, voilà. Et on commence là-dessus et on se donne 2 mois pour avancer le plus possible. Je leur donne un petit peu en amont le menu, ce que je pense qu'on va pouvoir faire. Et puis, je justifie tout, en fait. Je justifie, bah, écoutez, là, on n'a pas pu avancer là-dessus parce qu'en fait, on a découvert ça. Puis du coup, il a fallu qu'on avance sur ça et ça et ça, etc., etc. Et donc, du coup, même si à la fin, on n'arrive pas à livrer tout ce qu'on avait prévu qu'on allait livrer au bout des 2 mois, eh ben, le client a des justifications et il comprend ce qui s'est passé. Et après, je leur dis, bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'on continue? Et en fait, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on, d'un mois à l'autre, on repousse en fait l'échéance et on continue de travailler ensemble ou pas, ou on augmente le volume ou pas. Moi, je ne fais jamais plus de 2 jours par semaine pour un client. Quand on commence à sentir qu'il y a besoin que je sois là plus souvent, je leur dis, écoutez, vous savez quoi, en fait, il faut peut-être que vous embauchez. Il faut peut-être juste que vous ayez quelqu'un qui soit là à temps plein. Et ça veut peut-être juste dire que c'est cool. En fait, ça a servi à quelque chose que j'ai fait. Et donc, du coup, ben, embauchons. Embauchons pour reprendre le flambeau et faire de ce travail quelque chose de permanent chez vous, en fait. OK. Est-ce que tu veux nous parler de la communauté Les Meufs du Growth? Oui. Eh bien, écoute, ça, c'est assez drôle parce que ce n'était pas du tout prévu sur mon planning 2021. J'avais prévu quelques petits trucs, notamment, tu vois, de travailler sur la data. Et j'ai fait la formation Emile, qui est absolument géniale. Et d'ailleurs, je la recommande à tout le monde. La formation Emile Data for Pro, qui est violente, mais vraiment géniale pour travailler la data quand on est grosse. J'avais prévu de travailler sur la question des communautés, j'avais prévu de travailler sur mon engagement par rapport à la place des femmes dans la tech. Je ne savais pas encore trop comment.
Et en fait, en mars, complètement par hasard, sur un coup de gueule par rapport à l'utilisation de Clubhouse notamment, qui depuis a un peu périclité, eh ben, j'ai fédéré quelques nanas autour de moi sur un énervement, voilà, le fait que les femmes, en gros, c'était un peu mises de côté et de manière un peu feignante, mises de côté surtout. Et en fait, vraiment, j'ai été hyper surprise parce que 30 nanas se sont mises autour de moi, 40 nanas, 50 nanas, 100 nanas. Et puis, en fait, là, tout de suite, quand je vous parle, on est 550. Et c'est un peu... Ça m'a complètement dépassée. Durant l'été, on a passé la barre des 500. Et là, du coup, on est à la rentrée et on est en train de se structurer en association avec toutes les problématiques que ça soulève, mais aussi avec cette problématique d'être autosuffisant tout en récoltant aussi des fonds publics. Mais l'idée, c'est de créer des fonds pour pouvoir vraiment mettre en place des initiatives qui vont changer les choses durablement et concrètement la place des femmes dans le gros. Vraiment, avec un objectif très gros, très concret, très héroïste pour l'initiative publique. Ok, bah écoute, je suis juste jaloux du coup, hein, parce que je vais revenir. Alors en fait, la place des hommes dans cette initiative n'est pas du tout triviale. C'est une question qu'on me pose régulièrement, et il y a régulièrement... des mecs qui me disent, mais comment je peux, moi, en tant que mec, vous aider et en fait supporter cette cause. Et pour l'instant, on n'a pas encore eu le temps de mettre ça en place. Il faut savoir que ça fait 6 mois. On est passé de 0 à 550 en 6 mois. Donc, en fait, on s'est fait hyper dépasser par la charge de travail, etc. C'est pour ça qu'on est en train de monter une organisation qui devrait pouvoir supporter la charge de travail. Mais la place des hommes est en suspens parce que... Moi, j'aimerais bien, et c'est à discuter avec les meufs du coup, mais j'aimerais bien qu'on ait un statut d'allié en fait, où on puisse compter sur certains hommes qui supportent notre cause et qui pourraient nous filer des coups de main, se faire porte-parole en fait de la place des femmes dans la tech de manière générale. Et il y a plein de choses à réfléchir sur le comment, mais en tout cas, sur le principe, moi, j'aimerais beaucoup qu'on ait un squad de mecs qui soient là et qui nous tiennent la main en fait. Parce que la fatigue militante, c'est un vrai sujet. Et le burn-out militant, c'est un vrai sujet aussi. Se battre au quotidien pour une cause qui nous semble juste, c'est vraiment très fatigant. Et se sentir soutenu, c'est hyper, hyper important. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien mettre en place le plus rapidement possible. Ok, bah, je vais surveiller ça alors. Tout à l'heure, tu as dit, moi, je refuse un client si je pense qu'il va aller à l'échec. J'ai écouté une interview de toi où tu parles pendant longtemps d'un de tes échecs. C'est toi qui le dis. Est-ce que tu veux qu'on en parle un petit peu ? De l'échec ? De mon échec ? De ton échec ou de... Ouais, de ton échec. L'idée, ce serait de... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu l'as vécu. Beaucoup de monde en ce moment communique sur le fait que l'échec, c'est pas mal, que ça apporte beaucoup dans une vie d'entrepreneur. Je voulais avoir ton point de vue sur ça, parce que tu as peut-être un peu de légitimité pour en parler. Oui, alors bah, j'ai eu plusieurs échecs hein, dans ma vie pro. Donc, le plus notoire, c'est d'avoir planté ma boîte que j'avais donc montée à 25 ans, cette fameuse agence de communication institutionnelle dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Donc, c'est une agence que j'ai créée à 25 ans, que j'ai plantée à 30 ans. Donc, je l'ai gardée 4 ans et demi. Et j'ai eu jusqu'à 13 salariés. C'était en fait plutôt une success story. On est arrivé sur un marché qui était naissant en 2014, qui s'est ouvert suite à des changements de régulation auprès de la Commission européenne. Et on a complètement investi ce nouveau segment de marché avec ses nouveaux besoins. On est devenu, je pense, l'agence en Europe qui faisait ce qu'on faisait le mieux. On a gagné des prix d'excellence, etc. Ça a été vraiment une histoire un peu folle. Surtout que moi, personnellement, je n'avais aucune ambition pour ce projet-là. Donc, ça a été vraiment que du bonheur, on va dire. J'ai eu la chance d'embaucher en plus une équipe qui était génialissime. Elle en est encore très, très proche aujourd'hui. Et en fait, ça s'est arrêté pourquoi ? Ça s'est arrêté parce que le business model n'était pas du tout adapté à une croissance rapide. Le business model était adapté à une croissance lente, stable, mais pas du tout à une croissance rapide. Et donc, en fait, c'est vraiment un défaut de business model. Et rétrospectivement, à l'époque, et je ne l'ai pas vraiment analysé comme ça, mais rétrospectivement, c'est assez rigolo parce que après ça, j'ai eu envie en fait de prévenir ces problématiques-là. J'ai eu envie d'accompagner les entreprises pour pas se prendre le mur que je me suis pris
Parce qu'en plus, moi, j'ai été hyper, mais je suis toujours très naïve. Mais là, j'ai été vraiment très naïve et très aveugle. J'ai vu le mur au moment où je me le prenais, en fait. Donc, ça a été très violent. Et c'est très con parce que c'est n'est pas censé se passer comme ça, parce que c'est un succès pour de vrai. La Commission européenne nous recommandait. Enfin, ça n'aurait pas dû se finir comme ça et on n'aurait pas dû me laisser me planter à ce point-là. Et je me suis très mal entourée à l'époque. J'ai aussi une grosse part de responsabilité là-dedans. J'étais très jeune. Tout ce qui s'est passé par la suite après ça, après 2018 en fait, ça a été des façons de faire ma catharsis en fait, de penser cette blessure-là, on va dire. Et donc, par la suite, j'ai travaillé dans l'industrie de l'enfant, où j'ai aidé les entreprises à voir les tendances du marché, etc. Donc, il y a un peu aussi une histoire de se préparer pour l'avenir. Et puis, finalement, je me suis orientée comme consultante grosse. Et là, c'est vraiment les doigts dedans, en fait. Je parle de product market fit, je parle de business model, je remets en cause les business models de mes clients, je les pousse à se poser des questions en amont, autant sur le day-to-day et comment améliorer, je ne sais pas, la rétention, etc. Mais j'ai aussi une partie très business-oriented, en fait, où je suis vraiment pas bras droit du dirigeant ou de la dirigeante parce que je ne suis pas là pour le jour au jour, tu vois, mais je suis consultante, en fait, vraiment pour est-ce que tu es sûre que cette vision-là, elle est pertinente pour l'avenir, etc. Et pour moi, ça, c'est hyper important. C'est autant faire avancer les choses à court, moyen terme, mais aussi, en fait, prévoir le long terme pour les entreprises et les aider à ne pas se planter comme j'ai pu me planter. Ouais. Et comment on peut se planter parce que son business model, il n'est pas adapté à son marché ou parce qu'on est allé trop vite? C'est quoi la cause réelle? Parce que la croissance, c'est pas toujours une bonne nouvelle, en fait. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas forcément. Mais la croissance forcée, c'est-à-dire être obligé d'embaucher parce que tu as gagné des contrats et qu'en fait, tu as juste… Parce que du coup, on travaille pour la Commission européenne et on était sur des temps très, très longs. C'est-à-dire qu'on déposait des dossiers un jour et on avait la réponse et l'argent 18 mois après. Donc en fait, entre le moment où tu déposes et tu crois que tu as besoin d'un contrat et le moment où tu l'as, il y a un delta énorme et c'est hyper difficile de gérer sa croissance. Donc en fait, le truc, c'est qu'on s'est retrouvé à gagner des contrats alors qu'entre-temps, on avait gagné des choses et qu'en fait, on aurait bien voulu se calmer, sauf qu'en fait, obligé d'embaucher. Et en fait, on s'est retrouvé à, puisqu'on était bon à déposer des dossiers et qu'on gagnait, et on s'est retrouvé à gagner beaucoup plus vite et beaucoup plus de contrats que prévu, à devoir augmenter la masse salariale beaucoup plus vite que prévu. Et en fait, comme on augmentait la masse salariale et que c'était sur des subventions européennes, en fait, ça ne finançait pas certains postes de charge, notamment mon salaire à moi, le loyer, enfin des choses, tu vois, qui n'étaient pas financées. Et en fait, la partie autofinancement, on va dire, qui était vraiment de la prestation de service, etc., s'est fait prise de court, en fait, n'a pas réussi à grandir assez vite pour supporter ces charges-là qu'elle aurait dû faire. C'était un business model à deux pistons, si tu veux. Et il y a un piston qui a juste augmenté extrêmement vite par rapport à l'autre. Et tellement vite que moi, je me suis fait dépasser. Et en fait, il aurait fallu que je gagne énormément de volume de contrats en autofinancement en face pour pouvoir supporter la croissance publique, en fait. Et donc, personnellement, voilà, tu l'as vécu comment? Ben, mal, hyper mal. Ben, moi, j'ai fait un burn-out. Hein. J'ai fait un burn-out parce que c'était violent, parce que je n'ai pas vu le truc venir, parce que perdre ce pourquoi tu as travaillé nuit et jour, parce que tu y penses aussi. Pendant 4 ans et demi, c'est hyper dur. Moi, en plus, je suis quelqu'un qui supporte vraiment très mal l'échec. Mais je pense que ce n'était pas que ça. Je pense qu'en fait, c'était la fatigue accumulée des 4 ans et demi. Et c'était juste la cerise, en fait, tu vois, qui a fait que ça a débordé du vase, et etc. Mais je pense que j'avais un terrain bien propice. C'était prêt. J'étais cuite pour le, pour le burn-out. Il n'y avait plus qu'à. Et voilà. Mais oui, non, ça a été très difficile. Financièrement, ben, moi, j'ai tout perdu. Personnellement, hein. Ça faisait du coup quelques mois à la dissolution de l'entreprise que je ne me payais plus. Pour payer mon loyer, j'ai tapé dans mes économies. Je me suis retrouvée à moins 7000 euros, sans économie, sans rien. J'ai dû partir de Paris parce que je ne pouvais plus assurer mon loyer. Et je suis partie en 15 jours. Je n'ai même pas eu le temps de dire au revoir à mes potes, à mon monde, en fait. C'est mes parents qui m'ont un peu extraite de Paris parce que j'étais dans un état émotionnel
stratosphérique, en fait, et j'étais même plus capable de prendre des décisions, tu vois, pratico-pratiques. Et donc, je me suis retrouvée en Vendée avec mes parents pour respirer, prendre l'air. Et ça a été hyper salutaire, en fait, de partir de Paris et justement de m'extraire de ce moment-là pour moi, autant physiquement, tu vois, que psychologiquement, j'ai pris de la distance avec ce truc-là. Et ça a été hyper salutaire. La santé mentale des dirigeants d'entreprise et dirigeantes, c'est un sujet qui m'est particulièrement cher, en fait. D'ailleurs, c'est quelque chose que je dis souvent aux dirigeants et dirigeantes avec lesquels je travaille, c'est prends ton week-end, prends du temps, fais attention, ta boîte, elle grossit, tu es en train d'atteindre les 50 salariés, tu es en train de lever de l'argent. Il faut absolument que tu sois capable de gérer ça. Et donc, il faut que tu prennes soin de toi, en fait. Moi, la meilleure... Le meilleur argument que j'utilisais contre moi, mais que j'utilise aussi du coup contre les chefs d'entreprise, c'est « Ok, tu te pousses à bout, pousse-toi à bout. » Sauf que du coup, si tu exploses en vol, il se passe quoi? Ton entreprise, elle ne peut pas fonctionner sans toi, en fait. Donc, pense à ton entreprise. Prends soin de l'outil qui est toi. Et du coup, tu vois, sois responsable et prends soin de toi, c'est prendre soin de ton entreprise. Et c'était un petit peu ce qui me calmait des fois. Et c'est ce qui marche un peu avec les chefs d'entreprise. Parce que l'argument « prends soin de toi », je dis « ça ne marche pas ». Ça marche mieux de leur dire « prends soin de ton entreprise ». Et du coup, un des outils de cette entreprise, c'est toi. Donc, prends soin de toi. Et alors, avec le recul et l'échec, tu penses qu'il est nécessaire pour avancer, nécessaire à la réussite ou tu penses que si on peut l'éviter, c'est mieux? Alors, je ne fais pas partie de cette clique qui dit qu'il faut absolument un échec, il ne faut pas absolument se planter, ça fait glorieux. Non, ça ne fait pas glorieux, ça fait mal quand même. Ce n'est pas un trophée. Ce n'est pas un trophée. Après, il faut dédramatiser l'échec, en fait, c'est clair. En fait, le terme français est hyper dur, quoi. Échec, c'est vraiment c'est la fin du monde, quoi. C'est plutôt un point d'arrêt à un projet, quoi. Peu importe le projet. Ouais, mais si on t'écoute, qu'il y a des conséquences quand même qui peuvent être lourdes sur la vie personnelle. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, ce n'est qu'un moment de ralentissement dans son développement personnel, dans sa vie. Je suis plutôt très optimiste en fait comme personne. Et pour moi, il y a vraiment énormément de choses à apprendre de tout. Et vraiment, alors sur le coup, c'était hyper difficile. Mais rétrospectivement, j'ai appris tellement de ce moment-là de ma vie. J'ai appris sur moi, j'ai appris sur mes limites, que je ne dépasse plus du tout. Aujourd'hui, je suis vaccinée. Et d'ailleurs, la plupart du temps, je ne travaille que 4 jours sur 5 en tant que consultante. Tu vois, j'ai décidé qu'en fait, c'était plus jouable pour moi de travailler 4 jours sur 5. Je suis plus efficace, je préfère bosser 4 bons jours, tu vois, pour mes clients et me garder une journée pour... faire mes trucs à moi, bricoler, j'adore bricoler, enfin tu vois. Du coup, j'appréhende aussi les choses hyper différemment et moi, j'ai beaucoup appris sur ce que je voulais en fait avec cet échec-là. Et je pense que c'est ça le plus sain à faire, c'est de se dire, ok, c'était un petit point d'arrêt, un petit ralentissement et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça pour améliorer. Et en fait, c'est pareil, c'est une façon de faire qui est très grosse, en fait, tu vois, c'est de se dire qu'est-ce que j'apprends de cette expérimentation-là et comment je peux m'en servir pour la suite. C'est très, très grosse comme approche, mais comme quoi, c'est vraiment ma façon de fonctionner, en fait. Tu l'as vraiment fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'es vraiment posé et tu as vraiment fait l'analyse de ton parcours et tu t'es dit, je vais faire ça parce que ça et ça, je ne veux plus le faire. Alors oui, mais je ne l'ai pas fait tout de suite parce que du coup, la liquidation judiciaire de ma boîte a été prononcée en avril 2018. Je suis partie en mai 2018 en Vendée. Je ne me suis reposée que 2 mois puisqu'en fait, comme j'étais à moins 7000 euros, j'avais besoin de rembourser des dettes et j'ai dû prendre un travail. Donc, je ne me suis pas du tout reposée assez, clairement. Mais je n'avais pas le choix. J'ai pris un taf et en fait, j'ai pris un taf où j'ai subi du harcèlement moral. Donc, c'était pas de bol. C'était vraiment pas de bol. Donc, j'ai enchaîné le harcèlement moral pendant 10 mois. Au bout de 10 mois, j'ai trouvé la force, je ne sais pas comment, de m'extraire de cette situation-là. Là, j'ai eu 6 mois, en fait, de battement. J'ai fait un gros, gros point. Je me suis dit, OK, mais en fait, on va où? On fait quoi? Après un burn-out et du harcèlement moral, qui suis-je? À quoi suis-je bonne? À quoi sers-je dans la vie, dans la société? Qu'est-ce que je peux apporter, tu vois? Et là, j'ai fait un gros point, ouais. Mais j'ai fait un gros point, d'ailleurs, où j'ai été accompagnée. Hein. J'ai fait une psychothérapie. J'ai consulté un coach professionnel. Et en fait, ça m'a permis de déterrer aussi pas mal de choses perso, tu vois? Je me suis regardée en face et j'ai dit,
OK, ben en fait, tu as réussi à apprendre ça, tu as réussi à faire le bilan plus ou moins consciemment de tel et tel truc. Il y a encore tel ou tel truc qu'il faudrait que tu travailles. Et du coup, c'est là aussi où je me suis regardée en face par rapport à comment je fonctionnais d'un point de vue pro. Et du coup, ça m'a permis de me reconnaître dans le gros, en fait. Tu vois, j'ai vraiment fait le bilan de me dire, ben en fait, je suis curieuse, j'adore apprendre. Je suis très expérimentale, j'adore tester des trucs. Par contre, j'adore le chiffre, je suis très data-driven. Ah ben en fait, ça fit complètement avec la fiche de poste grosse en fait. Mais il a fallu du coup que je fasse un point vraiment posé et que je me fasse accompagner. Et je pense que l'accompagnement professionnel à ce moment-là a été vraiment indispensable. Et non seulement sur la partie psychothérapie, mais aussi sur la partie professionnelle, de me redécouvrir d'un point de vue pro et de redécouvrir... dont j'avais besoin pour grandir pour la suite, c'était vraiment hyper important. Ok, tout à l'heure, tu as dit que tu te formais beaucoup. Ouais. Tu peux nous en dire plus? Tu fais comment? Alors, je consomme beaucoup, beaucoup de contenu. Je suis abonnée à pas mal de newsletters, d'agences qui m'intéressent, mais aussi de consultants qui créent du contenu. Donc ça, je suis un peu les actualités du différents secteurs, mais en tant que grosse, il faut qu'on soit... très bon dans rien et bon dans tout. C'est ce que je dis souvent, c'est qu'il faut que je sois un peu au courant des méthodes de travail de l'UX, du développement produit, mais aussi de la relation client, enfin, des sales, etc. Donc, je consomme beaucoup de contenu sur les tendances, sur les use cases, etc. Je suis aussi beaucoup de personnes qui sont bien câblées et intéressantes sur LinkedIn. Donc, j'organise aussi pas mal ma veille via LinkedIn. Et puis, je suis des formations, qu'elles soient petites ou plus longues, ça dépend. Et donc, la dernière que j'ai vraiment faite sérieusement, c'est celle d'Emile dont je vous parlais, qui a duré 8 semaines. Donc, celle-là, elle était vraiment longue et elle était vraiment hyper intense. C'est probablement une des plus intenses que j'ai faites de toute ma vie. Mais je fais aussi des formats plus courts où on peut, je ne sais pas, par exemple, une petite mise à jour sur Google Analytics, sur le Google Garage, ça me prend quelques heures. Sur HubSpot, par exemple, donc moi, je fonctionne beaucoup avec HubSpot, notamment sur la partie CRM. Je trouve que c'est honnêtement la meilleure solution aujourd'hui. Je trouve que même Salesforce ne compare pas. Et par exemple, HubSpot, ils ont une académie en ligne avec plein de formations qui sont gratuites. Donc, parfois aussi, je vais aller faire un petit bout ci et là. Je me forme beaucoup, beaucoup. Et en fait, je considère que ça fait partie de mon taf aussi. En tant que consultante, justement stratégiste, il faut que je sois en connaissance de tout et capable de pointer à des solutions. Bon, moi, personnellement, si j'avais une topicalité, ça serait plus le marketing et les sales. Mais parfois, ce n'est pas le marketing et les sales la solution. La solution, c'est de travailler, par exemple, sur une roadmap de développement produit. Et moi, je suis capable de pointer vers la solution, de préparer des briefs et ensuite d'aller chercher des personnes qui sont spécialistes, par exemple, sur de l'UX. Ouais, ben en fait, je trouve que le problème de rétention que vous avez, il est probablement très induit par une mauvaise navigation et en fait une mauvaise appréhension des users de votre plateforme. Il va falloir qu'on travaille avec un UX. Et donc là, c'est moi qui brief, c'est moi qui travaille avec l'UX et qui guide en fait un peu le travail. Mais je ne me considère pas du tout experte en UX et je sais rendre à César ce qui revient à César. Mais même d'un point de vue marketing, je ne sais pas, par exemple, développer une landing page sur Webflow. Moi, je vais être capable de dire ce que je veux, mais le Webflow, ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servi, par exemple, et il y a des gens qui s'en servent tous les jours et qui sont bien meilleurs que moi. Donc, je fais souvent appel à des personnes très pointues sur des sujets très pointus, en fait. Donc, tu vas vraiment, c'est la data qui va te faire dire que y a un churn qui est trop élevé. Donc, pour moi, c'est l'UX parce que sur votre marché, vous ne devriez pas avoir un churn aussi élevé à ce niveau-là. Donc, moi, je vous mets sur la table ces chiffres-là. Je pense qu'il faut revoir l'UX. Et du coup, tu défends ton argument grâce à des chiffres. Et si tu arrives à convaincre, ben, tu accompagnes ton client pour l'aider à mettre en place la solution en te faisant accompagner par un expert. Ouais. Je suis un docteur de la grosse, en fait. Ou du grosse. Je suis un docteur du grosse. C'est vraiment ça. C'est un stratégiste. C'est vraiment quelqu'un qui est capable de voir le symptôme, diagnostiquer, poser une hypothèse et ensuite suivre l'avancement des projets. Parfois, même chez certains clients, l'objectif, ce n'est pas forcément passer par des personnes externes. En fait, ils ont les compétences en interne. C'est juste que les équipes ne travaillent plus ensemble et elles n'avaient pas vu comment elles pouvaient solutionner un problème ensemble. Et par exemple, il faut refaire travailler ensemble les équipes du support et les équipes du produit
pour faire remonter, par exemple, les problématiques des users pour développer la roadmap de manière plus pertinente. Et en fait, le lien a été perdu entre les équipes. Et en fait, mon taf, c'est plutôt de remettre du lien et de recréer des projets en fait inter-équipe. Est-ce qu'il y a une ou des questions que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posées ? Non, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on ne me pose pas beaucoup de questions sur la stratégie. Et je trouve ça très cool de pouvoir parler stratégie et pas juste de résultats mirobolants, etc. Moi, j'en ai un peu marre que les discours autour du gros, ce soit « Comment faire 500 000 euros avec un mail ?» Parce que non, mais c'est cool, c'est important qu'on sache ce qu'on peut faire avec du gros. Mais en fait, c'est vraiment c'est la partie émergée de l'iceberg. Et en fait, pour réussir à faire 500 000 euros avec un mail, derrière, il y a beaucoup de taf en nurturing, il y a beaucoup de taf en lead scoring, il y a beaucoup de taf en acquisition. Je ne parle même pas de l'activation. Donc, en fait, je fais vraiment la partie qui ne se voit pas et je fais vraiment la partie pas glam. Et je trouve ça très cool de pouvoir, pour une fois, parler de stratégie et comment on diagnostique, comment on planifie et comment on accompagne sur de la stratégie la partie moins glam, quoi. Eh ben, puis, super. Qui aide au succès très sexy. Ok. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose à cet échange ? Ben non, n'hésitez pas, si vous voyez cet échange et que vous voulez en parler, à me contacter. Alors, je n'ai pas de site web, je suis la grosse, la moins, la moins bien chaussée du secteur. Non, mais je n'ai jamais le temps de me créer un site web, mais par contre, je suis ça très... Ça peut te rassurer, moi non plus. Voilà, on est mal chaussé. Non, mais en revanche, je passe mes journées sur LinkedIn et d'ailleurs, je me force à arrêter de répondre à partir de 20h. Mais n'hésitez pas à venir me parler. Je suis toujours hyper contente de pouvoir échanger, en fait, de points de vue, etc. Donc, toujours ravie d'échanger sur des problématiques de stratégie. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Camille, de nous avoir partagé tout ça. Merci à toi et merci à vous d'avoir regardé jusque-là. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode des interviews Gross. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et ou un commentaire. De 1, ça va me faire vraiment plaisir. Et de 2, grâce aux algorithmes de YouTube, ça permettra à d'autres personnes comme toi d'écouter ce podcast. Sache que je réponds à tous les commentaires et à toutes les personnes qui me contactent. Je suis joignable sur LinkedIn, Facebook, Messenger, Instagram. Je réponds à tous les messages et toutes les demandes qui concernent le Gross. Pour être averti en avance des prochains podcasts et des prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre mon groupe Facebook Chasseur de Pro. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. J'y balance plein d'informations et des techniques sur le Gross, le scrapping et l'acquisition de prospects en B2B. Sur ce, je te dis à bientôt pour un autre épisode des interviews Gross.